Le troisième jour des projections inscrites dans le cadre de la compétition officielle du Festival du cinéma africain de Khouribga a été réservé au film traitant la déchirure en Afrique. Le film Poisson d'Urbain était à l'honneur de ce jour. J'ai écrit ce scénario car j'avais une grande envie de réaliser un film sur la romance. Ce film est plein de sentiments, d'émotions et traite la violence et les aspects de la société sud-africaine. Il reflète la réalité de notre identité. Je suis très heureux d'avoir participé au Festival de Khouribga du cinéma africain pour projeter mon film. Le film Poisson d'Urbain s'agit d'une romance noire qui se déroule dans le milieu marginalisé des Blancs défavorisés au lendemain de l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud.